Direction les Pays de la Loire, dans ce petit village, près de Laval. Voici Anthony, 43 ans, cuisinier dans une maison de retraite. Les pieds de vaisselle, c'est bon. Donc ça, tout ça, c'est bon, ok. Un père de famille, jamais à court d'idées pour économiser. À la maison, c'est lui qui s'occupe des courses, avec Lilou, sa fille de 16 ans. Avant chaque passage au supermarché, il a son petit rituel. Là, en fait, j'ai découvert donc une application qui s'appelle Shopmium. Et donc, en fait, avec cette application, on a plusieurs produits qui vont être en remboursement. Des céréales, il y a des serviettes hygiéniques, il y a de la bière. Ça, il y a souvent un peu de tout. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les pâtes. Donc là, je vais me le noter pour pas perdre le fil dans le magasin. L'application promet de rembourser vos courses. Forcément, Anthony a sauté sur l'occasion. Lilou, tu viens? On va faire la liste des courses. Donc là, j'ai commencé déjà parce que j'ai regardé les produits que je pouvais avoir avec les applications. Donc tu peux noter le beurre. Pour que ça marche, il faut faire sa liste de courses en fonction des promos de la semaine. On va prendre aussi les yaourts, la confiture de fraises. Tu vois d'autres trucs, toi? Non. Non? Bon, c'est bon. On fait ça. Donc là, en fait, c'est les pâtes qu'on a vues tout à l'heure, juste avant de partir. Donc là, je vais ouvrir l'application et je vais vérifier, en fait, là, le code barre du produit. Comme ça, on est sûr et certain de ne pas faire d'erreur. Donc, en fait, c'est tout simple. On prend comme ça. Voilà. Et là, c'est validé. Donc, l'offre, elle est éligible. D'accord? Donc là, du coup, je peux le prendre. Tu le scannes. Voilà. Donc, on en prend deux comme ça. Avec ce genre de promo, autant faire des réserves. Avec son application de remboursement, le père de famille grappille encore quelques euros. Lingun. Voilà. Donc là, en fait, j'ai 1,24€ qui va être reversé par Shopmium. Ça équivaut quasiment à une boîte gratuite. Parce que la boîte, on a vu sur le ticket, on le voit juste ici, on était à 1,55€. Donc à 30 centimes près, à 29 centimes réellement. C'est comme si cette boîte-là, je l'avais totalement gratuitement.